Benjamin souligne surtout un paradoxe. Le front erlebnis, donc l'expérience vécue du front, célébré précisément pour son caractère radical et baptismal, était présenté systématiquement par ses défenseurs de manière abstraite, insaisissable, creuse, oscillant entre l'hyperbole et le néant. Parce qu'il n'était rien en soi, parce qu'il n'avait aucune matérialité propre, mais était au contraire possible par sa négation de toute contrainte matérielle, le front Erlebnis s'avérait suffisamment flexible pour véhiculer le tout et le rien. Libre de toute historicité, celle par exemple qui était inscrite aux moyens techniques de la production de la guerre, le front Erlebnis d'Ernest Jünger pouvait prétendre qu'il révélait la guerre en soi, primitive ou éternelle, la guerre qui faisait tout simplement la grandeur humaine. Après la défaite de l'Allemagne à la Grande Guerre et l'éclatement des violences sociales, les expressionnistes qui étaient prêts à mettre en question leur idéalisme ne furent pas si nombreux. Pfeiffer et Einstein sont devenus beaucoup plus perméables au marxisme et dans tous les cas, les critiques de la situation en Allemagne étaient farouchement matérialistes. Cependant, la majorité des expressionnistes a eu une réaction que personne, à ma connaissance, n'a décrit mieux que Walter Benjamin dans son essai de 1930 sur le fascisme. Je cite Benjamin. Il parlait donc de l'Allemagne. D'autres peuples pourraient dire qu'ils ont fait cette guerre de tous leurs êtres, mais pas qu'ils l'ont perdue de tous leurs êtres. C'est justement la défaite qui est revendiquée comme une qualité allemande. Il s'agissait tout d'abord, par un aveu de la culpabilité hystériquement étendue à l'humanité entière, de pervertir la défaite à une victoire antérieure. Fin de citation. Les utopies architecturales censées opérer la paix universelle, les appels chrétiens à l'amour, le premier Bauhaus fustisant la division du travail et les effets démoniaques du machinisme, autant de réactions qui ne faisaient que renverser la dynamique de la défaite allemande. Si l'Allemagne avait gagné la guerre, les artistes auraient sans doute une autre réaction vis-à-vis de la machine et de l'industrie. Une réaction similaire sans doute au triomphalisme de Le Corbusier et de Jean Fanon dans leur texte après le cubisme. Ainsi, au lieu de s'exercer les responsabilités de la guerre en Allemagne, dans ses structures institutionnelles, économique et politique. Ces idéalistes ont décrété une fois de plus que le seul responsable en était le matérialisme. Or, précisément, ce matérialisme était universel et il n'était pas uniquement allemand. Mieux encore, tous ces artistes et architectes concevaient les plus nobles projets pour la nation allemande. Actualisant le principe chrétien selon lequel le dernier deviendra le premier, les expressionnistes ont formulé souvent l'idée selon laquelle l'Allemagne, matériellement pauvre et humiliée, était destinée à devenir spirituellement riche et fière. La paix universelle passerait donc par l'Allemagne. Il y avait du sublime dans cette conception. La même attitude idéaliste fut réservée à la révolution spartakiste. Une fois de plus, ce ne furent ni la lutte de classe, ni celle des partis qui ont intéressé les expressionnistes. Quand ils étaient touchés par le meurtre des personnes de gauche par l'extrême droite, avec l'aval de la social-démocratie, ce fut de la mesure où ils pouvaient laisser libre cours à leurs sentiments chrétiens. Rosa Luxemburg ou Karl Liebknecht devenaient par exemple les victimes innocentes de ces temps horribles. À la révolution politique qu'ils trouvaient trop ancrée dans les inconvénients et les insuffisances de la matière, ils ont opposé une fois de plus les révolutions spirituelles. Tandis que les violences et les conflits se vissaient à l'extérieur, les expressionnistes, tels Walter Gropius ou Bruno Taut, pouvaient imaginer des cathédrales mystiques.
Legant temporalité protégerait la communauté fantasmatique des conflits du temps historique. Et ici, vous avez une cathédrale dessinée, une cathédrale utopique dessinée par Bruno Taut. Ainsi donc, avec la Révolution, l'union sacrée n'était plus affaire de la guerre, mais de l'art. Voilà, je vous remercie de votre patience.